Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel d'un mec en basket, tutoriel consacré à Excel et à la macro-programmation visuelle basique, dans lequel on va euh, découvrir la fonction application.match, euh, qui, qui est une fonction absolument géniale qui va permettre eh bien, euh, de retrouver une occurrence euh, dans une liste de données qui peut être relativement, voire potentiellement, extrêmement longue. Euh, vous allez voir, c'est très facile d'utilisation, et euh, surtout, avec ça, vous allez pouvoir faire des miracles euh, en intervenant dans ce fameux listing. Euh, le fait de pouvoir retrouver la ligne, ça peut permettre de faire des incrémentations, des récupérations de données, etc. On va découvrir ça ensemble dans quelques secondes. Avant cela, un grand grand merci à tous, hein, comme d'habitude, euh, parce qu'on a dépassé le cap des 6000 abonnés, tout ça c'est grâce à vous. Donc merci infiniment à tous. Allez, je pas de blabla inutile, on rentre direct dans le vif du sujet avec la fonction application.match. Alors voilà notre fichier test, notre base de départ. Hein, je suis parti sur quelque chose d'extrêmement simpliste. Néanmoins, j'ai ici une liste de noms qui, regardez, hop là, euh, fait pas loin de 1000 lignes, plus de 1000 lignes. Et donc l'idée, c'était, selon un nom saisi, de retrouver quelle est la ligne qui contient ce fameux nom. Donc simplement un petit menu déroulant, bam, et en cliquant sur Recherche, voilà, la personne recherchée se trouve ligne 102. Bisé Martial, on descend à la ligne 102, hop là, j'ai bien Bisé Martial. Alors ça paraît très bête comme ça, mais euh, quand vous codez et que vous avez besoin de créer une application euh, qui nécessite d'incrémenter des données sur une ligne euh, concernée par une valeur de recherche qui peut être contenue dans une text box, dans une combo box ou simplement. Ici même dans une feuille euh, de calcul Excel, et eh bien euh, cette fonction application.match va vous permettre de faire ça très facilement et très rapidement. Je fais un brin de ménage et on reconstruit tout ça ensemble. Alors voilà, tout est remis à zéro, hormis évidemment ma liste de noms. Alors on va commencer par sélectionner cette fameuse liste de noms et on va nommer la zone. Voilà, la zone nom qui désormais contiendra tous les noms. Ensuite, on va se mettre ici une petite zone de recherche. Donc, on va fusionner. Et puis, ici, une, une en tête. On va encadrer ça. Hop là. Et ici, on va simplement eh bien, insérer un menu déroulant qui contiendra l'ensemble des noms. Donc, pour ça, onglet données, validation des données. Et ce qu'on veut y mettre, c'est une liste qui contiendra... Les noms, tout simplement. J'ai mon menu déroulant et j'ai tous mes noms qui sont présents ici. Donc, jusqu'ici, pas de grandes complications, hein, c'est des choses qu'on a déjà vues. On va maintenant insérer un bouton. Hop un là. En contrôle active x On va le faire sous ce format-là. Un clic droit, propriété. Et donc, hop, le caption de mon bouton, ce sera. En majuscule ce sera mieux. Recherche. On va faire un autre petit truc très simple. Format de contrôle. Propriété. Ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ça, c'est tout con. Mais parfois on ne le fait pas. Et puis euh, quand on commence à filtrer ou déplacer des colonnes et machins et eh ben, le bouton il se fait la malle. Donc ça, c'était le plus facile. Maintenant, on va passer au code. Donc, visualiser le code. Et on va commencer par définir une variable. La variable, ça va être notre nom, ici même. Hein, ou du moins notre zone de recherche en D1. Hop là. Donc, dim, nom, as. As quoi As string. String parce que ça va être du texte. Nom égale sheets. Je ne les ai pas renommés, elle s'appelle feuille 1. On pourrait l'appeler liste nom. Ce serait mieux, hop là, sheets liste nom, point range, D1, point value. Et c'est maintenant qu'on va mettre notre fonction application point match. Parce que pour l'instant, notre bouton, eh ben, on aura beau cliquer dessus, il va absolument rien se passer, puisqu'on ne lui a rien demandé de particulier à faire. Alors, if not is error... Donc s'il n'y a pas d'erreur à la fonction application.match, dont le but est de rechercher le nom, c'est-à-dire notre variable, dans la feuille liste nom, sur les cellules qui vont de A le début jusqu'à A la fin, on met toute la colonne, en valeur absolue, den. Avec ça, avec cette simple ligne, il va retrouver l'occurrence finalement de notre zone de recherche dans la liste. Alors maintenant, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on lui fait faire ben, On va déjà commencer par lui demander d'afficher la ligne qui est concernée. Donc, ligne égale. Et là, je vais simplement récupérer ceci. Tout simplement, je vais le mettre au bout ici. Et puis on va ajouter un message. La personne recherchée se trouve ligne paf un espace et notre variable ligne qui est ici. Donc vous avez vu, j'ai pas besoin de lui dire que ligne c'est euh, une variable de type dim ligne as long ou as integer. Euh, il va automatiquement le trouver tout seul. Et puis vu que j'ai mis un if impérativement un end-if. Et avec ces quelques lignes, eh bien, en sélectionnant un nom dans mon menu déroulant ici même, en cliquant sur Rechercher, il va automatiquement m'indiquer la ligne qui contient le nom recherché. On ferme, on essaye, on va se mettre hop, en mode normal, Abelard Jean-Pierre, la personne recherchée se trouve ligne 2. On en prend un autre, hop là, la personne recherchée se trouve ligne 16 effectivement il fait bien le job alors comme je vous expliquais euh, le fait d'indiquer la ligne ouais c'est bien super ça permet quoi ben, ça va vous permettre éventuellement déjà de définir sur quelle ligne se trouve effectivement cette donnée à partir de là si vous avez des incrémentations à faire euh, dans votre tableau vous êtes sûr qu'il fera l'incrémentation sur la bonne ligne Attention, ça, ça implique effectivement que euh, vous n'ayez qu'une seule occurrence par ligne. Si la personne se retrouve plusieurs fois, il vaudra mieux utiliser un système de boucle euh, de manière à tester l'ensemble des lignes. Parce que euh, là, regardez, si je mets Amilien Ludo et que je le mets en ligne 6, je fais la recherche, il me le trouve en ligne 6. Mais basta, c'est-à-dire qu'il commence par le haut et il vous indique la première occurrence. Mais compte tenu du fait qu'il est sur deux lignes, la boucle, une boucle fort par exemple, fera très bien le boulot. Alors là, effectivement, on disait, ouais, on affiche la ligne. Qu'est-ce que ça nous apporte On va faire un système de présence. Donc je vais rajouter une colonne. On va même hop là, mettre des bordures, ce sera mieux. Et puis ici, on va mettre valeur à intégrer. Hop là. Et la valeur à intégrer, ce sera présent. Et on va simplement lui demander que dès lors qu'il trouve le nom, eh bien, on veut qu'il mette la valeur présent dans la colonne B. Donc, on efface. Notre message, on efface notre ligne. et eh non, eh ben non, on l'efface pas, c'est notre variable. Il est pas fuité le garçon. Et on va lui dire, euh, hop là, sheets, liste nom point range b et ligne, donc la colonne b et la ligne qui correspond à l'occurrence retrouvée point value Égal, alors je l'ai mis ici. Je pourrais mettre égal sheets liste i 1value C'est une option où je peux mettre sheets liste -nom .range b et ligne point value égal simplement présent. Vous allez voir que les deux fonctionnent. On va commencer par la première. Du coup, Amilien Ludo recherche. Hop, il m'a mis présent en ligne B, en colonne B. Je vais me remettre hop, avec l'autre option qui consiste à aller chercher la donnée qui se trouve en I1. On va prendre un autre nom. Hop, vous voyez, ça marche aussi. Donc, cette fonction application.match va vous permettre, comme déjà cité, de retrouver une occurrence dans un tableau extrêmement extrêmement pratique. Vous définissez au départ l'occurrence que vous voulez, donc soit à partir du contenu d'une feuille, ce qui était le cas ici, hein, la feuille liste nom valeur de la cellule D1 hop là, soit à partir d'une combo box, d'une textbox, Etc. Tout est possible. Et donc, vous lui dites, if not is error. C'est un peu spécial, c'est s'il n'y a pas d'erreur. En bref, si tu retrouves bien l'option via la fonction application.match. Ce qu'on recherche, c'est le nom. Donc, ma fameuse variable, ici même. J'aurais très bien pu mettre ici directement sheets list nom range d1.value. Mais. Euh, j'ai lu une petite citation de Bill Gates cette semaine qui disait que tous les travaux importants, il a tendance à les filer à des feignants parce qu'un feignant trouvera toujours une façon plus simple de faire les choses et ben, le fait de définir une variable, c'est pour gagner du temps, c'est plus simple hein. donc au lieu de taper sheets liste nom range d1 point value et que je peux être amené à taper x fois, je définis ma variable et du coup cette variable portera systématiquement la valeur non tout simplement Bref, application.match, je cherche le nom dans la feuille Liste nom dans la colonne A. Une fois que c'est retrouvé, je lui demande ici même de m'indiquer sur quelle ligne se trouve cette occurrence, toujours une nouvelle variable, et ensuite je lui demande d'intégrer des données sur les autres colonnes qui correspondent à cette ligne. Ça peut être aussi de nous renvoyer euh, des données présentes dans le tableau hein, pour mettre à jour une boîte de sélection, ça fonctionne aussi. Par exemple, message box. Euh, tac 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 tac. Message box euh, sheets. Euh, tac, tac tac tac. Liste non point range a ah, et ligne point value. On essaye. Je sélectionne un nom, Archimbaud Francis. Recherche Archimbaud Francis. Vous voyez Donc j'ai utilisé cette application match pour incrémenter des données dans un tableau, mais aussi pour récupérer des données du tableau, tout simplement. À partir de là, à vous de jouer pour intégrer cette fonction dans votre programme. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. On se retrouve. Prochainement, je ne vais pas dire très prochainement, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao bye à tous, une bonne journée, profitez du soleil et des beaux jours, et merci, merci encore à tous. Allez, ciao bye